want a piece of me, boy? Nuclear launch detected.저한테는 되게 블리즈컨보다 GSL 결승보다 되게 중요한 경기였는데 이렇게 올라가게 돼서 너무 기쁘네요. 컨디션이 좀 안 좋아가지고 많이 긴장하면서 했는데 올라가서 되게 좋은 것 같아요. 조성주 S 뭐만 하면 공격을 하고 있어요. 그러니까 옥토보다 따라하기 어려울 만큼 공격을 하고 있어요. 스타일이 저랑 비슷해가지고 다른 사람들도 다 저랑 스타일 비슷하다 하더라고요. 그래서 저랑 비슷한 건 S? 수비력도 S예요. 이게 팬분들이 오해하시기 쉬운데 공격력이 S라고 수비력이 낮은 게 아니에요. 성주가 수비하면 수비도 되게 잘해요. 자유의 날개 시절 이렇게 공격적이 아니에요. 수비적이었거든요, 성주는. 제가 얘도 안 지 한 7, 8년 정도 됐는데 얘도 수비력도 되게 좋아요. 수비도 잘한다. 진짜요? 까기 뭐한데 A 그냥 보통 잘하는 것 같아. 못 막을 때 좀 스무스하게 지더라고. 연락성 A 성주가 되게 특이한 빌드도 쓰기도 하는데 그래도 제가 볼 때는 그러니까 자기가 자신 있는 빌드를 주로 쓰거든요. 항상 그 빌드만 다양하진 않죠. S? 전진 건물 되게 많이 하시더라고요. 잘 섞는 것 같아요. 그럼 C컬 S 사신컨 잘해서 부럽더라고요. 피지컬 S 공격에 S 수비 S 나오게 하려면 피지컬이 받쳐줘야 돼요. 너랑 비교하면 왜 잘하는 거? 제 생각엔 전 성주가 더 잘하는 것 같아요. 성주가 따지겠는데? 그건 아닌 것 같아요. S급은 1점 선수 한 명인 것 같아요. 완전 한 단계 더 위에 있는 것 같긴 한데 A? 그래도 우승한 사람들은 어느 정도 멘트를 받쳐줘야 할 수 있어요. A 우승한 선수들은 최소 A는 된다고 생각해요. F 이기면 엄청 좋아하는데 지면은 완전 나가더라고요. F보다 낮은 것 같아요. 보고 있으면 재밌어. 스타성 A 선수가 S 두기에는 너무 말주머니 너무 없어요. 말을 너무 못해요. 지금은 되게 많이 늘었어요. 되게 많이 는 건데 예전에는 처음 봤을 때는 아무 말도 안 했어요. 말만 잘했으면 S 플러스도 되는데 처음에 아예 말을 안 했어. S 인기 되게 많던데. 왜 인기 많던데? 방송하는 거 보면은 많이 보죠. 손도 귀엽긴 한데 네, 귀엽죠. 손도 귀엽죠. S 플러스 남자 직접 그니까 없어요. 직접 안 한대요. 없어요 그런 거. 엄청 애기 때 초등학교 때 봤는데 중학교 때 만나 봤는데 얘가 그러니까 성인이 됐다는 게 저는 아직도 느껴지가 않아요. 여자분들도 되게 오덕 네. 그런 거 좀 많이 네. 그런 거 풀어보지도 않고 맨날 사람이 있어요. 네. 그때부터 좀 심했죠. S도 없죠. 그냥 다 보라고 하고 추천 하나씩 해주면서 네. 봤는데 재밌더라고요. 지연이요? 네, 그 형도 되게 좋아하더라고. 그 형 때문에. 성주야, 나랑 안 지 되게 오래됐는데 아직까지 공수전이 그렇게 많지가 않아. 아마 3대3 정도인 걸로 알고 있는데 이번에 8강에서 만나가지고 한번 진검승 한번 펼쳐보자. 형 때문에 떨어질 뻔했는데 그래도 이렇게 올라왔으니까 재밌게 합시다. 누가 저도 기뻐해주자.
All right, it's time to start up our second best. Franchement, autant tout à l'heure c'était intéressant entre Gumiho et TY, ouais. Mais là c'était vraiment 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 très mignon parce que t'avais ce côté genre deux teammates qui se connaissent par cœur parce que ils ont passé beaucoup de temps ensemble chez Prime et qui ont beaucoup de respect, et en plus dans la manière dont ils ont mis les notes, déjà j'étais globalement assez d'accord, et en plus avec de bonnes explications, tu ouais. vois, genre on parle beaucoup de l'agression des deux, tu vois. Bion et Maru, c'est les terrains agressifs qui te drop à la gueule. Maru qui faisait de la chasse au Colossus sans Viking à l'époque de Hots. Bion, c'est l'agression tout le temps, le 2-1, le Coca Build avec le sniping de Bending. Oui, leur micro est énorme, mais, et c'est là qu'ils le disent, macro gestion, les mécaniques des deux sont assez hallucinantes. Maru, la vitesse à laquelle il joue et la vitesse à laquelle il prend ses décisions, souvent chez un joueur de moindre niveau mécanique, c'est du coup une macro qui va se barrer en couille. Par exemple, TY tout à l'heure, qui a fait des erreurs quand il était sous pression et qui s'est commencé à se planter, oublier des upgrades, oublier des dépôts. Maru, genre c'est n'importe quoi, il n'aura pas ses dépôts, il n'aura pas ses upgrades, il a son timing d'armory de malade tout le temps, alors que le gars a fait approximativement 50 drops de plus qu'un terrain normal. Ouais. C'est ouf. Et Bion aussi. Non, tout à fait d'accord. Et puis beaucoup de respect, hein, beaucoup de S de la part de l'un et de l'autre. Le F était très rigolo. Mais il est vrai aussi, tu vois, genre, et Bion, genre, complètement détruit quand il perd, complètement extatique quand il gagne, et c'est pour ça que c'est un champion coréen vachement intéressant à suivre. Et surtout, bah, depuis cette GSL, depuis cette BlizzCon où il galère, on le voit, on l'a beaucoup vu en pleurs, et il l'a dit lui-même, tu vois, genre, Round of 16, c'était limite plus important que la BlizzCon parce ouais. que j'arrivais plus à gagner. Il était en panique totale, et en Round of 16, il a un peu cassé des bouches, et c'est là qu'on l'a ressenti revenir. Mais quand il est pas bon, quand il est pas bien dans sa tête, Bion est vraiment pas bon. Ouais, clairement. On a les WCS rank aussi. On voit que Kyrie, il mettait bien la PC à tout le monde quand même, avec ses 5000 points là. Ouais. Là, on est qu'à 2007 et 3075. On est quand même bien en dessous. Et le RO16 et le RO32 que vous pouvez voir juste en dessous. Donc mine de rien, on n'est pas sur du 2-0 encore une fois comme tout à l'heure. Ouais ouais, un peu moins clean après, voilà, des victoires. Mais pas de victoire par exemple dans le round of 32 pour les deux joueurs. Ils ont inversé tout à l'heure, c'était round of 32 en haut et round of 16 en bas. Ça a failli me baiser un petit peu. Les deux joueurs n'ont pas joué de terrain dans round of 32, ils n'ont pas énormément de matchs. Ouais. As notre... C'est vrai qu'il y a un petit truc au niveau de la bouche, admin, c'est effectivement. Ouais, vous avez vu la moustache, bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'on a eu le rendez-vous de lundi dernier? Je ne sais pas, j'ai pas vu la photo. Cas. En tout cas, 64% en TVT. Donc, du coup, voilà. En GSL, en Round of 16, il y a eu une victoire contre Gumiho qui tout à l'heure s'est imposé contre TY. Donc, pas une victoire de merde non plus. Et deux victoires contre TY, justement. Et je crois que c'était Alive à côté. Donc, le match-up TVT a l'air de bien aller quand même pour Bion. Tu vois, je sous-estimais peut-être en fait ses résultats récents. Oh, le TVP à 83%. Ouais. Oh, le what the fuck is going on. Par contre, les trois dernières games de Maru en TVT, c'est des défaites. Hein. Ouais. 1-2 versus Alive, 0-2 contre Ino et 1-3 contre Rayong en quart de finale de la GSL Codes de la saison 1. Donc c'est le seul qui a pas battu Alive. En fait, Alive, il s'est fait marcher dessus par tous les terrains, mais pas par Maru. Ouais. Attention à Maru, à voir ce que ça va donner. Ce n'est pas un proto sans face. Mais oh, leur gars. Allez, leur gars. Il est là. Salut Makai. Ça fait plaisir. La pêche se passe bien, on a rechopé du groupe Sky. Comme Camisme. Allez, on est parti. Les maps seront Abyssal Reef, Ascension to Higher, Proxima Station, Nuclear Precinct et Odyssey. Il y a une map qui change au final, il n'y a pas World Wide. Ouais, ça a été veto par Maru. Et on veut pas jouer Frost non plus parce qu'on n'est plus en 2013. Voilà. Tu diras World Wide. On n'est plus en 2010. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah, Warwin, elle est arrivée plus tard quand même. Ouais, non, elle est c'était tard, début Hot, je crois. Début Hot. Non, mais ça doit être 2012. C'est encore pire que Frost. C'est ça, je pense que c'est pire que Frost. Ouais, c'est pire que Frost. Mais je sais pas, j'ai un peu d'infection pour cette map que je trouve vraiment bien. Alors que Frost, bon, elle est cool aussi. C'est vrai que c'est une des premières maps où ils avaient pensé à mettre deux B3 différentes qui permettaient, suivant la position de ton adversaire. Alors qu'avant, on était sur les maps de type Antigua Shipyard où dès qu'on était à 4 points de spawn, il y avait toujours un positionnement qui était vraiment abusif très forcé, sur l'autre. Ouais. Ouais, en tout cas, vrai. Pour la B3, là, c'est vrai qu'on avait fait ça. En plus, c'est des games, c'est des maps qui peuvent avoir une asymétrie au niveau de l'équilibrage des bases, hein, selon l'endroit où vous spawnez. Donc c'est vrai que ça change un petit peu tout. Allez, en haut à gauche. Gold Banner. Pour la Team Expert, Bune. J'ai fait aussi pousser sa moustache. Avec du coup le petit carré golden, puisqu'il est champion GSL. Yeah.
Et ça, c'est beau. BlizzCon aussi, hein, tranquillement. Donc, Et en bas à droite de la map, il est en terrain rouge. Bon, j'adore ce joueur. Avant, je préférais Life. C'était Life Maru. Maintenant, Life est en prison. Comment ? Maintenant, Life n'est plus là. Donc, du coup, c'est Maru en terrain rouge. Ouais, c'est vrai. Et en plus, avec. Avec des personnalités un peu similaires, ouais. de joueurs assez discrets en dépit d'avoir une personnalité dans le jeu très 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 forte et voilà des joueurs qui se distinguent par la manière dont ils jouent plus que la manière dont ils parlent. Ouais, c'est très agressif les deux joueurs. Jeunes tous les deux, ouais. Voilà, avec des passés par des équipes un petit peu compliquées entre Startail pour Life et Prime pour Maru. Tu sais, ouais, c'est des histoires très similaires. Est-ce que tu disais aussi sur Maru là le côté sa prise de décision parfaite avec une Macron toujours parfaite qui je trouve était exactement aussi à mettre dans les bons points de Life. Life, c'est pareil, quoi. C'est par rapport à ce qu'il voit, toujours une adaptation parfaite et jamais, jamais, jamais il fera une putain d'erreur mécanique. Tout est toujours propre au niveau de ses prises de base et tout. Life qui fait vraiment partie, je crois que c'est le joueur qui me manque le plus, quoi. Ça a toujours été mon joueur préféré dans ce putain de jeu. Billion ici qui se fait en kikiné, on monte déjà à 470 quand même, hein, pour vous montrer que ça marche, ce qu'il est en train de faire Maru, surtout qu'il va garder son collecteur. Donc c'est juste super bien joué de la part du joueur Terran Rouge. Et on a Vilfa qui rejoint la route tout poutre. Merci beaucoup mon bon Vilfa. On va vous présenter ce mois-ci la nouvelle route tout poutre. Et d'ailleurs pour info, faut savoir qu'aujourd'hui on est le 7 juin. Et, oui. Et que le 7 juin, techniquement, c'est l'anniversaire de la chaîne Pomfétude, car elle a été créée un 7 juin, exactement il y a 7 ans, donc en 2010, holy maintenant shit. Qu'on est en 2017, et sachez qu'on va vous faire une soirée pour ça, donc on la fait pas le 7 juin, bon parce que c'est au gaming et qu'on aime pas trop être à l'heure, tu vois, le concept d'être à l'heure, Finka, c'est relou. Anniversaire plus 2 jours, anniversaire plus une semaine, c'est ouais, valable. Ouais, nous on va même y aller sur 2 semaines, Finka. Ah oui, J'ai voilà. Dit une semaine, je me suis repris. Ah, je sais pas en fait. Mais ça, sachez que le concept est là, les gars. Il faut lui laisser le temps de mûrir un petit peu. 7 ans, c'est pas suffisant. On va leur faire une petite surprise, donc on vous tiendra au courant et on espère que vous serez présents pour fêter ça, car c'était une belle épopée. Alors du coup, double gas first, on a le tourmenteur qui est parti en bas, le spatioport. C'est marrant. Alors, Tiwai est en bas, Kumio est en haut. Voilà. Sauf que du côté de chez Maru, on a fait qu'un seul Reaper et non deux. Ah oui, d'accord, par rapport à la game. Ouais, précédente. Par rapport au style de jeu, ouais, tu sais. J'ai fini par contre, au début, je me suis dit, attends, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, d'accord, ok, maintenant ça fait du sens. Ça fait du sens, effectivement, les cyclones viennent de Bion. Ici, oula, le Reaper qui est passé là, il bosse. Ouais, tranquille, hop, sous les yeux, bien sûr, assez motivé de ce requin galactique. Par contre, des deux côtés quand même, il y a un peu cette notion de on fait des unités différentes, même si voilà le cyclone va être du côté de chez Bion. Il y a un Medivac. Ces unités, elles ont envie de traverser la carte, ouais, des deux côtés. Hein. C'est pas étonnant, on en parlait, hein, avec deux joueurs à l'agressivité ultra connue et reconnue, évidemment. Ouh, là c'est tendu. Parce que là, si lui il se barre avec son Medivac, on a le cyclone qui va arriver. Après, j'aime beaucoup. Oh, encore un new sub. Merci beaucoup, Jelen. Merci beaucoup de nous rapprocher du marathon. Là, c'est quand même super intéressant. Parce que vous voyez, là, on a vraiment dans les deux cas l'utilisation du cyclone. Enfin, surtout du côté de chez Maru. Donc vraiment très très défensif, quoi. J'aime bien la position du coup de Maru, hein. Enfin ça dépend de comment il réagit directement à ce premier truc, hein. Là, bah ouais, parce que là ça me fait peur. Ouais, tu me diras, si ça va. Mec, c'est il gratuit, est hein. Il est arrivé. C'est gratuit, le cyclone ici qui est targeté. On va faire tomber le Hélion, la bonne micro de Maru. Attention par contre, le dernier shot qui est fait ici. Mais le premier à perdre des SCV, c'est le joueur bleu. Et la mine est toujours bureau. Par contre, c'est pas fini ici. On pull à nouveau les SCV. Ça y est, Maru lui aussi se met à perdre de l'économie. Ouais, ouais, mais le problème c'est que là, le cyclone, il a pas fait de deuxième cyclone. Il est dans l'incapacité de pouvoir le bouffer. Du côté de chez Bion, on a fait un deuxième cyclone, c'est celui que vous voyez devant l'écran. Et c'est pour ça qu'il peut répondre aussi bien à cette attaque pour le moment. C'est bien fait, on va focus directement sur les collecteurs, on va pas aller plus loin. Ziranium qui résume 18 mois, merci beaucoup mon poulet. Et au final, Bion qui va devoir arrêter d'attaquer avec son cyclone, mais juste vraiment à cause de la rampe, quoi. Ouais, effectivement. Alors après, dans l'histoire, la perte du Medivac de Bion, alors qu'on a sauvé le sien, côté Maru, avec 5 points de vie tranquillement, le fait que la mine soit toujours active et que. Il va falloir payer un scan, selon toute logique, pour le détruire. Ouais. Je pense qu'au final, Maru est gagnant, hein, de cet échange, et ça se ressent à la population. Ouais. Et d'ailleurs, ça donne des envies à Maru, qui dit qu'avec 3 bâtiments, il a de quoi produire des unités pour foutre le bordel. Et du coup, il paye son 3ème CC. Ouais, et puis c'est bien joué. Du coup, comme il paye le 3ème CC, il envoie un 2ème cyclone. Comme ça, si jamais son adversaire décide de refaire un contre, eh ben, il sait qu'il aura de quoi.
Oh, et puis il part carrément en mode. Ah, tu me dirais, il a le Medivac, il l'a réparé, il peut faire quelque chose avec le cyclone. C'est bien joué. Big up à toi, Samuel 4900. Samuel, je sais pas pourquoi tu m'as fait penser à Pulp Fiction. Très bizarre, il n'y a pas de Samuel. Bah, si, ouais, enfin, hormis le nom de l'acteur, mais il n'y a personne qui s'appelle Samuel dans Pulp Fiction. C'est bizarre. En tant que. En tant que personnage. Ah, oui, non. C'est chelou. Les, le Medivac ici qui va repartir. Les deux cyclones qui vont aussi avancer. Ah, le Viking qui n'a pas vu. Les deux Vikings qui pourraient choper le Viking. Est-ce qu'on va faire quelque chose là, du côté de chez Maru? Okay. Ok, non, il va prendre la fight. Et du coup, il va garantir le fait de tuer le Viking aussi. Je trouvais ça étonnant. Je pensais qu'il allait tout simplement booster. Mais non. Il veut le beurre, l'argent du beurre. Et les deux cyclones vont être droppés dans la main. Je crois que Bjorn tout simplement ne s'y attendait pas du tout. Il savait pas ce qu'il y avait dans ce Medivac. Ouais. Ou alors il a mis du temps à réagir. Parce que là, du coup, les cyclones sont en train de prendre une fight. Maru qui prend le tank et qui va booster son Medivac pour continuer sa micro des enfers. S'il chope le Techlab qui fait le steam, non, faut pas déconner non plus. Les deux cyclones sont venus pour défendre, mais encore une fois, Maru qui a rien perdu sur cette séquence. Ouais, attention. C'est vraiment intéressant, vous voyez, par rapport au jeu de Kumio, pour faire la comparaison. Quand on vous disait tout à l'heure, il était très axé sur le fait de devoir toujours mettre du rythme par rapport aux unités qu'il a choisies. Vous voyez, là, Maru fait un Raven, alors qu'il a quand même repris le côté de Kumio, double drop cyclone. Mmh. Mais derrière, tout de suite Raven, tout de suite tank, on voit vraiment un côté beaucoup plus. Beaucoup plus standard en fait, tout simplement, dans son choix d'armée, qui je pense est un très bon choix de la part de Maru. Après, le truc qui est intéressant, c'est que là ce soir on va avoir quand même dans le match-up TVT 4 personnalités totalement différentes, ouais. En fait, qui ont des côtés un peu stylistiques différents les uns des autres. Et ça c'est vachement cool, en plus on les voit les uns à la suite des autres en BO5, donc en plus t'as de la variété, t'as obligatoirement la variété qu'impose le BO5 qui va être mis en avant. Ouais. Vachement cool. Vachement cool à voir. Ça permet de comparer en plus les choix et de voir le nombre de choix en fait que tu peux faire. Toutes les minutes dans le jeu, hein, tout simplement. Le 1-1 qui a été envoyé des deux côtés, je vous dis une bêtise, en fait, le 1 de défense n'est pas parti du côté de Chebiyun. Ah ouais. Donc ça, c'est une grosse erreur. Une seule hiver, en fait. Ouais, la B3 est sur le slot et beaucoup plus tardive, parce que j'ai souvenir que Maru, lui, il l'avait payé tout de suite en mode la confiance. Alors, il la pose pas tout de suite. Alors, ça, c'est un truc que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien. Là, dans les faits, je pense qu'il aurait pu se permettre de la lever plus tôt, mais il a surtout terminé son truc, fait une orbitale dans la main et continue de produire des cibles parce que. Il a posé son 3MCC en avance. Selon toute logique, si l'autre a son 3MCC plus tard, c'est parce qu'il a posé des racks. Donc il est sur la map avec des marines. Et c'est à ce moment-là que tu peux perdre ton 3MCC. Alors que là, au minimum, il garantit qu'économiquement il est devant. Ouais. Avec 56, qu'au moment où il va transférer sa base, il va avoir de quoi saturer. Et tu vois là, le nombre de petits marines qu'il prend, et il récupère, et il répare. Ça, c'est bien joué de la part de Maru. Vraiment, c'est super bien joué. Le 1-1 qui va se terminer. J'ai pas eu passer l'armurerie. L'armurerie, elle est pas passée par contre. Donc là, on a eu un bug. Faut qu'il la lance maintenant s'il veut pas avoir trop de retard. Ouais, pas d'armes pour le moment. On va aller poser la B3. Et là, il y a une belle troupette, mais voilà. Petit marqueur, des petits marines partout. C'est bien fait. Ouh, il y a deux tanks quand même, va falloir faire gaffe. Il y a deux tanks, mais il y a deux tanks chez Maru aussi. Par contre, il y a le shield qui est terminé d'un côté. Allez, Maru, je louais ton timing d'armurerie. Va falloir t'en rappeler à un moment donné. Après, il est en train d'utiliser très intensément son gaz avec production de Raven, beaucoup de Viking et des upgrades comme le Steam, le Shield. Mais là, du coup, on perd du temps sur ces upgrades. Par contre, on va générer tranquillement deux tanks pour zéro. Hein. Ah ouais, c'est parfait. Maru, de toute façon, depuis le début de la game, qui commence à. Pardon. Commence à faire le trou hein, au niveau des unités perdues. Ouais. Trois tanks à zéro, un tout petit marine de plus, plus de SCV, 7 SCV. Il a pris un Viking alors que son adversaire n'en a pas pris. Ça, c'est des dégâts qui s'empilent. Hein. Ouais, et puis sa compo est vraiment bonne là, à coup de Viking, de tank. Il a quand même quelques Medivac pour heal son armée. C'est Raven, il les a peu utilisés pour Arras, donc ça veut dire que quand il va les utiliser, il aura 4 autotourelles à peu de choses près qui seront à disposition. Plus, ça va commencer à faire super mal. Voilà, ouais, 4 par bête, excusez-moi. Ah oui, 4 par Raven, effectivement. Le Doom Drop qui est très très bien senti là, ici, les Vikings. C'est là où t'es content d'avoir les tourelles. Ouais. Parce que les Vikings, ils vont tout bourrer, et puis voilà, et t'envoies tes tourelles derrière, et tu gagnes tellement de temps. Ah ouais, bah oui. Et voilà, et il n'y a déjà plus rien. Le mec, il a rien pris quoi. Ouais. Il a ça, pris un SCV qui produit, ça y est, il commence à prendre le double Raven et la tourelle, c'est vraiment. Bah ouais, c'est must-have en TVT quoi. Ouais. Il a pas tué l'armorerie, il a pas tué l'Ibé. Il a juste pris le SCV qui est en train de la produire, 3 au total, et il vient de. Enfin, bon, de toute façon, la pop elle est en train de parler clairement, et regardez les ressources qui se sont encore étendues en faveur de Maru. Le jeu passif du joueur Jiner, en dépit donc de son bug sur les upgrades, qui est en train de payer hein, largement. Il a toujours le contrôle aérien, il a plus de marines. Il a, je pense, plus de tanks. Oui, il en a bien plus d'ailleurs. 6 tanks à 3. Allez, au centre de la carte, on va essayer de faire quelque chose pour Bjorn. On sait que si on s'approche trop pour Maru, ça va être compliqué. Maru qui le disrespecte. Il siège rien. Si ça y est, sur le côté gauche, ce trade qui est pas forcément le plus rentable pour Bjorn. Mais Maru qui a tellement plus. Ouais, c'est ça. Ce Bjorn, c'était bien fait. Hein. Maru, en théorie, avec la même valeur d'armée, il aurait pas dû y aller. Mais là, il y va parce qu'il sait que ça passe. C'est bien vu. J'ai l'impression qu'il a donné pas mal de Raven quand même dans l'opération. Au moins un. Ouais.
Mais bon, bah, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucène. Le tank en haut qui fait bien son travail. Et maintenant, pour Bion, il va falloir gagner du temps. On a les Marines qui sortent par 1. Il va y aller Maru, il va y aller, il approche les tanks pour se mettre en range de celui qui est en haut. On siège 3 tanks d'abord, puis 3 tanks après. Et Bion qui va prendre une sévère cloquette sur cette première game. Accélération de Maru, petit pont, Marine qui s'envole. Et ça fait 1-0, GG. Oh. Ok. Ok, Maru. En mode leçon là quand même. En mode leçon. Bah tu vois, super propre. C'est à peu de choses près. Le même délire que ce que TY a essayé de mettre en place, c'est-à-dire défensif, tourelle, sauf qu'au milieu il squeeze un harcèlement avec lequel il fait plus de dégâts que ce que TY a montré. Il défend mieux l'agression de son adversaire, ouais. Et en plus sa macro est bien meilleure, ouais. Enfin, les bâtiments arrivent plus tôt, même de toute façon TY c'est impressionnant pour un joueur de son niveau, genre ses bases elles sont bordéliques, un truc de ouf, il y a ouais. Des bâtiments partout, des machins, là tu regardes la base de Maru mec, 5 Rax à côté, Rax Facto Star porte à gauche, les IBL armurés à côté, les dépôts tous bien clean etc, ouais. C'est con hein. Mais ça note vraiment d'une précision mécanique et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec le S-tier mécanique de Maru, ouais. Je pense que de ce niveau-là, il est vraiment au top. Allez, moi, ça rigole quand même du côté de chez moi. Moi, je dirais même cool. Que justement, Maru, ça fait un peu. Si on compare aux deux games précédentes, c'est comme si c'était un peu la fusion de TY et Gumiho, quoi. Ouais. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens qu'il récupère le meilleur des deux, quoi. C'est ça. Il récupère l'early game de Gumiho qui est agressif, où ça joue avec des cyclones, où ça essaye d'abuser, on retourne à la maison, on répare le cyclone, on y retourne, etc. etc. Et ça joue aussi l'intelligence de jeu pour l'entrée de mid-game et late-game de TY, c'est-à-dire la compo avec des Vikings, faire quand même de Raven. Et voilà, pas rater ses upgrades, même si bon, on a vu sur la Mori, c'était chier, mais pour le reste, il était vachement en avance sur son adversaire. Et tout ça, il est où le gâteau avec les 7 bougies? Bon anniversaire au GTV. Alors je rappelle, c'est pas tant l'anniversaire de gaming, c'est vraiment l'anniversaire de la page YouTube Pomfétude, qui si vous allez le voir, vous allez sur YouTube, vous tapez Pomfétude, vous cliquez sur à propos, c'est à droite d'accueil et vidéo, vous verrez qu'elle a été créée un 7 juin 2010, du coup. Et donc voilà. Jenner Greenways, Maru. Et pour être honnête, on voulait en fait vous le faire ce soir, mais pour des raisons logistiques en quelque sorte, on n'aurait pas pu faire aussi bien que ce qu'on aurait voulu faire. On l'a reporté à un peu plus tard dans le mois. Donc voilà, comme ça, vous. On ne cache rien, Show Gaming, vous nous financez à base de subbing, les mecs. Vous êtes un peu des actionnaires, les gars. Évidemment. On vous dit les choses. Alors. Et hier, j'ai bouffé le cul à Funka. C'était ma première expérience What gay. The fuck et c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais pas vu venir, l'enfoiré. Ah merde. On non, en plus, le pire, c'est que j'ai montré mon cul dans la rue avec Pomf hier. Donc, on était sur un truc un peu similaire. Mais je me rappelle pas, ou alors j'étais vraiment ivre-mort que Anno c'était de la partie avec sa langue dans mon anus. Voilà, désolé pour les jeunes auditeurs qui auraient peut-être été choqués d'évidemment les blagues, hein, les énormes blagues dont on est en train de parler. Un Allez, peu beau, coup, j'avoue, un peu beau. C'est la deuxième game. Double Rax Reaper. Double Rax Reaper en opening. Alors, ça, c'est vraiment genre ultra early Legacy of the Void. Hein. Double Rax Reaper en TVT, après tu fais Reactor Tech Lab et du coup ouais. Tu te retrouves avec des Marines, t'essaies de mettre la pression. C'est quelque chose qu'on voyait, moi je me rappelle, j'avais utilisé ça à l'OGSL contre Imre, la première. Par contre, le Tech Lab, je trouve, arrive vachement rapidement, Funka. Ouais, je suis très étonné. Normalement, t'appuies beaucoup ouais. Plus, c'est comme s'il avait changé d'avis après avoir fait deux Reapers en fait. Trois ? Non, il en a fait que deux. Ouais, c'est ça, moi je m'attendais au minimum à trois, quoi. Alors là, je trouve que Bion il se fout dans la difficulté, les mecs. Oula, parce oula, que par contre, il va choper le Reaper. À l'époque, ça se faisait, mais vous voyez qu'on le voit beaucoup moins. Pourquoi ? Bah parce que le Cyclone, mon gars, quand il arrive. Il en a rien à foutre de ton Laptech Reactor. Oh, il te bourre ta gueule. Donc attention là, le CC qui a été déconnecté. Il a fait croire. Maru qui a fait réacteur, facto, et derrière. Alors on est en train de le produire. Par contre, l'intelligence de Maru c'était de planquer ce SCV pour terminer le CC. Il va pas réussir. Il est pas lié de la dernière pluie, Bion. Et déjà, genre, il va pas commit plus que ça, je pense. Hein, on va voir. Peut-être il va essayer de prendre la fight contre Marine et Lyon. Pourquoi pas hein. Mais déjà, 3 SCV, dont celui qui produit le CC, celui qui produit la Starport, c'est sans cool. Rien perdre, c'est énorme. Même. Ouais, clairement. Non, clairement. Surtout que tu l'as dit, pour ceux qui n'auraient pas fait gaffe, Maru, il a arrêté de concevoir son CC, il a écarté son collecteur pour que quand les Reapers arrivent, ils se disent il n'y a rien et il l'a remis et c'est vrai qu'il a failli de finir. C'était juste c'est super ouf, smart comme move. Genre Maru, je suis dans ça. La merde et tout, mais non mais il y a quand même ça à faire. Parce qu'il accepte en fait de perdre un peu de temps pour contrôler le temps qu'il va perdre. Ouais. Et c'est. J'ai jamais vu faire ça en fait. Les deux Reapers qui chacun du côté d'un pylône. Et on part sur un bunker de la part de chez Bion, ça c'est marrant ça. T'as, on dirait limite un terrain de, je sais pas, un terrain d'un jeu. Non mais si, carrément, pas. Ouais. Genre le tennis Galnaga ou j'en sais rien. Ça. Ou le...
C'est ça. Ah ouais, franchement. Hein. Tu passes la balle dans le kilo. Que quelqu'un crée une UMS, un mini-jeu sur ce truc-là, ça pourrait être juste un jeu de 1v1 avec des Reapers où tu t'envoies des missiles avec le pylône au milieu, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est franchement, stylé. C'est cool, hein. Même c'est joli, hein. Ce plan, il est cool, je trouve. Ouais. Cool. Allez, du coup, le tourmenteur qui vient mettre un petit peu de rythme au milieu et du coup tu confirmes, ah bah ouais, bah deux Reapers égale les deux Xenaga contrôlés par une unité mobile, c'est un peu galère. Par contre, on a un peu attiré l'attention autre part, même si on a fait le grand tour hein, côté Maru, pour faire un drop avec 6 marines et une mine, ce qui nous avait montré hein, déjà game 1, Viking et Cyclone derrière. Et bon positionnement de Bion là aussi au niveau, ouais, de sa, au niveau de sa défense. Puis le bunker est bien fait parce qu'il a sous-entendu qu'il y a 4 Marines à l'intérieur. Ouais. Alors qu'en fait il n'y a qu'un seul Marines dedans. C'est pour ça qu'il y avait autant de Marines sur le plateau en haut. C'est très bien fait là. Par contre, dommage de la part de Bion qui s'est pas bien repositionné. Qui permet du coup à Maru de pouvoir descendre, de créer un mini supply block. Oh, le steam chez est déjà Bion. Fini. Ah ouais. Ça c'est très très bon pour Bion que le steam se soit terminé aussitôt. Ouais. Et c'est le rapport au T-Club dont on parle. D'ailleurs, c'est marrant parce que là ce qu'il fait c'est genre on dirait un Bion build, justement, ouais, un Coca build TVZ, ouais, en TVT, sauf qu'on a ce petit moment où on a squeezé des Reapers, et Reapers en l'occurrence dans cette game qui ont fait très mal, donc vraiment il se met bien, l'ami Bion. Clairement, et là-haut t'as vu qu'il retourne, il y a le avec steam, 4 marines. Je peux pas gagner, ouais, mais je retourne quand même, parce que ça se trouve les marines ils seront plus là, mec. Et, il a gagné, au moins 25 secondes, ouais, sur le double drop. C'est ça, c'est non mais c'est abusé, et il a chopé un collecteur et tout. Normal, c'est il faut un peu bader quand même. Clairement. Il retourne. Et on y retourne encore une fois, et tu vois là s'il avait un cyclone, ah, il pourrait se mettre super. Et il chope mais un quel marine. Tricheur. Mais arrêtez-le collecteur. Bon. Oh là là, les SCV. Lol. Non. Et Bion qui est pas en reste évidemment. Oh, il va aller les chercher. Il y a deux marines dans le rouge, vite. Allez. Mais non. Attention. Ok, de l'autre côté, par contre, c'est en train d'accélérer. Les Vikings sont bien positionnés ici de la part de Maru. D'ailleurs, on a mis deux shots hein, sur ce Medivac. Et on a perdu d'ailleurs le Medivac de l'autre côté de la map. Mais là, c'est simple. Hein, on s'excitait sur la micro de l'autre côté. Il y avait un tank en siège. Mais au minimum, le positionnement très intelligent. Et là, t'es obligé de prendre quand même. T'es obligé de mettre tes billes sur un endroit. Quoi. T'es obligé de choisir un peu arbitrairement où tu vas décider de mettre ce Viking. Les deux Vikings qui mettent des shots dans les Medivacs et qui calment instantanément l'ami Bion qui n'a pas pu faire de dégâts avec son double drop. J'ai entendu passer une donation. Ouais, ce là. Que j'allais dire, c'est pas le bruit d'une donation, merci Funka. Le Penui. La même chose là. Penui, si tu peux nous dire ce que c'était et qui c'était. Et pendant ce temps là, du coup, ça continue. Hein. Ça continue sur le multitask et Maru. Qui a du coup mis qui s'est mis max hein, au niveau du nombre de Vikings. Il a filé son réacteur à sa starport pendant un moment pour produire 4 Vikings. Encore une fois dans un délire défensif avec un 3MCC très tôt. Et pour un mec qui avait le steam au bout de genre 4 minutes 30 de jeu ou 5 minutes de jeu avec 2 Medivac, je trouve que Bion n'a pas fait beaucoup de dégâts sur ce timing fort. La raison, une très très bonne défense de Maru. Désolé, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, c'est clair qu'il s'était dégagé un bon timing fort au final. On en revient encore à ce fucking Medivac et 3 Marines qui revient, qui fout une merde noire. Et du coup maintenant il y a 2 tanks, 1 par base, même 3 maintenant. Donc c'est vrai que la défense est très très compliquée à passer pour le bon Bion. Donc très très bien joué. Les 2 Medivac qui continuent à popper, on a une tour de détection aussi qui est là, vous pouvez le voir de la part de Maru. Et Maru qui a bien compris que son adversaire est obligé de jouer sur la mobilité. Donc du coup il va pas laisser passer. Ouais. Ce que j'aime bien chez Bion, c'est d'avoir posé cette B3 rapidement parce qu'il joue vraiment sur le fait de. Bon attends, si j'ai bien un avantage, c'est que mon adversaire il peut pas sortir. Je l'ai forcé à faire trop de tanks. C'est ça, hein. Donc profites-en quoi, pose une B3, c'est bien vu. Et surtout il faut partir du principe que là du coup c'est un peu difficile hein, de. Ne serait-ce que de sortir de là en fait, et ça bloque en fait le timing de prise de B3, parce que encore une fois il a fait beaucoup de SCV mais je pense qu'il voudrait la poser là. Ouais, 50. Du fait que Bion derrière lui justement, il était bien derrière au niveau de son timing de sa B3 à lui. Mais comme il a le positionnement, il la pose et il commence à miner avant son adversaire. Mais là voilà, tant qu'il avait pas le steam, Maru pouvait pas vraiment sortir quoi. Ouais. Alors, ou alors t'avances tes tanks un par un. Alors il la joue safe, il donnera très très peu d'unité, voire zéro pour reprendre le contrôle. Mais Bion est déjà là avec deux tanks en siège et il va y aller. Le gros steam, le shield qui s'est terminé. Attention, Maru, par contre, il y a tellement de tanks. C'est super risqué pour Bion, il y a tellement de tanks au-dessus. Les marines qui se sont fait asperger, c'est plutôt pas mal, quoique il en reste quand même de la part de Maru. Mais vous me direz, bah j'aime bien parce que la B3 au final elle est décalée. Il va la prendre et on va être obligé de la poser au nord. Mais Bion a un marqueur au nord. On va aller choper le marqueur avec les Marines, garder les Vikings ici. Ouais, il faut qu'il soit plus actif avec ses Vikings, hein, Maru, là, il pourrait aller gratter des shots sur ses Medivacs. Ouais. 2 Medivacs dans le orange, notamment, hein, qui pourraient limiter la mobilité et la survivabilité des Marines.
pour l'instant on n'arrive pas à le faire et encore une fois on va prendre un gros retard au niveau des enfin on va prendre un retard au niveau des upgrades, voilà, il manque de ressources, il manque de gaz Marou. Mais c'est ça parce qu'il a payé beaucoup de tourelles et compagnie. C'est le défaut de la stratégie là, c'est que pour poser B3 il doit couvrir tellement d'angles. Allez, il veut pas y aller. Il a raison Marou, je pense qu'il a raison, il va pas y aller. Il va faire son CC, attention la réparation, ça va être tendu. Les Medivac qui se donnent, Viking, on arrive à en prendre 3 sur le back, mais dans tous les cas c'est gagnant pour Bion ici ce qu'il est en train de faire. Il gratte des unités tellement coûteuses. Et il empêche tellement la pose de cette troisième base. Oh, il en a marre, Marou, il veut y aller. Il veut virer ce contain le plus rapidement possible. Hein. C'est bien joué parce qu'on voit qu'il y a les renforts qui arrivent. Donc s'il le prend maintenant, c'est super bien fait. Voilà, c'est bien joué. On pourrait dire que ça coûte des connecteurs. Ouais, mais d'un autre côté, s'il ne les donne pas ses connecteurs, il ne peut pas miner. Donc à quoi ça lui sert d'avoir 60 connecteurs si jamais. J'aime beaucoup sa prise de décision là. Allez, on en donne 10, pas de problème. Mais au moins, tu vas me laisser poser quelque chose et forcément, ça va un peu nullifier l'attaque de Biyun. Biyun qui, quand même, tactiquement, a super bien joué. Sur le registre de sa mobilité là, il a vraiment bien empêché de poser B3 son adversaire. Et sur une map comme Ascension to Ayur, et ben les maps sont les baies sont tellement éloignées. Ouais. Que franchement, son build était super cool au final. Ah non, mais genre cette game elle est d'un niveau ultra scandaleux des deux côtés. Ouais. Et là en plus, on voit la version où c'est Bion qui mène la danse après une première game où c'était plutôt le Marou show. Donc cool de voir ça. Bion qui s'est perdu un petit peu là sur un petit deux medivac, un rally point un peu foireux. Marou sous pression, hein, voilà, qui a du mal à développer sa macro. Heureusement pour lui, il y a les dépôts qui sont en train d'être produits. Mais je suis d'accord avec toi. Genre Marou il prend une décision qui est un peu dangereuse, un peu galère de donner ses 10 SCV pour virer la. Ouais, t'as l'impression qu'il tilt en fait. Il est déjà en train de perdre en fait. Il a tout à fait raison. Genre même s'il accepte qu'il est derrière, qu'il va être encore un peu plus derrière, au moins il arrête le fait qu'il ne peut pas poser B3, qui était en train de le tuer tout simplement. C'est ça. C'est comme s'il avait simplement une hémorragie là et qu'au moins il coupe l'hémorragie. Alors ça veut pas dire qu'il va soigner le cancer, mais au moins voilà. Il passe à autre chose et il a. C'est la gangrène en fait. C'est ça. C'est gangrénaire, oh, voilà, tu donnes tout. Oh, Biyun qui est un peu sur Steam là. Ouais. Ça fait peur. Tout simplement pas de Medivac à cet endroit là en fait. Hein. Il était en train de faire la police anti-Doom Drop avec lui-même son Doom Drop. Et puis Marou là c'est beau, t'as vu il a reçu une troupette au sud. Oh là là. Du coup la B4 qui avait été posée va pouvoir bourrer ça. Ah ça c'est joli. Ce mine de rien, s'il avait laissé cette B4 se poser, elle serait sûrement passée en PF. Ça aurait commencé à faire beaucoup pour Biyun. Et mine de rien, c'est un bon taquet en termes de pas pour rester à 150. Et puis Marou hein, le 2-2. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Attention, il y a un Doom Drop de l'autre côté de la map. Il y a que deux tourelles. Les Vikings sont pas là. Ouais, non, ça va faire beaucoup trop de dégâts. Ouais. Par contre, mais ici, c'est Marou qui est en train de mettre la pression dans la main. Dans la main, le Doom Drop qui est bien géré avec la reprod Marine. Alors qu'il se faisait dropper ici. Ah, le tank, qu'est-ce qu'il va le faire sortir sur la droite? Je sais pas, la B2 ici qui va prendre cher. On est au milieu de la sortie d'armée, ça c'est très très mauvais. Ouais. Le tank ici qui risque de se faire bourrer. Alors là, il peut pas faire grand-chose, Marou. Hein. Ouais, en fait, Bion il a juste calmé l'histoire direct. Hein. Il a fait ok, tu mets une grosse pression et ça pourrait faire flipper si j'avais pas ce Doom Drop dans la main qui est en train de te faire très très mal. La position qui est tellement favorable à l'ami Biyun. De l'autre côté, on a géré le Doom Drop qui s'était droppé. Alors oui, on n'a pas la naturelle, on n'a pas réussi à reprendre le contrôle, mais ici on a tout clear. Ouais. Et avec ça, c'est plus de bâtiment de production, Marou. Quasiment out de cette game numéro 2. Ouais, clairement. Il donne ses connecteurs alors qu'il a pas envoyé des Marines. Ouais, bah là c'est fini. Ouais, il a plus rien, toutes ces gens sur le côté de la carte. Ouais, bon, décision de la part de Biyun. Là, le drop était vraiment bon. Les tourelles étaient trop exposées sur la gauche. Et le bon Marou en plus qui faisait un bon move, mais Marou qui n'a jamais réussi à poser voilà cette deuxième valeur d'armée. Il n'a jamais réussi à bien la poser. Là, il a un tank qui devrait disparaître avant de pouvoir tirer. Non, belle récupération de la part de Marou. Ok, Marou qui arrive à gagner cette fight là et Bion qui elle est un petit peu en mode goré. Dire quoi à la maison là chez Biyun? Non mais je pense que ça devrait aller quand même. Ouais, voilà, le point de Medivac qui se fait instant. Les deux Vikings qui ont clear au moins une bonne paire de marines là. Ouais, c'est... Et ça va être géré. 32 pop à 112. Marou qui va devoir s'incliner sur la game numéro 2 même si on a tout donné. GG. En vrai, Bion il prend la décision. Alors. Ces Medivac sont déjà en position avant qu'il voit notamment le deuxième Doom Drop qu'il prend, mais enfin, qu'il va se prendre dans la gueule par Marou. Mais c'est très compliqué cette phrase, désolé. Mais en fait, juste Bion qui. Il y a vraiment un truc simple qui dit cette game se termine si j'arrive à te Doom Drop dans tes bâtiments de production. Et toi, t'es en plus des spreads sur trois bases qui sont très loin les unes des autres comparé à celles de Bion hein, qui sont un peu plus resserrées. Du coup, en fait, c'est le move d'échec et mat, tu vois. C'est genre, oui, t'es en train de me mettre la pression, genre tu me prends une tour et tu me menaces un cavalier, mais moi je te mets échec. Et puis tu vas faire un move, non, bah bouge ton roi parce que sinon tu vas perdre. Et puis je t'amène jusqu'à l'échec et mat. Ouais. C'est exactement ce qu'il a fait, tu vois. Le truc pour calmer les histoires tout de suite, genre on arrête les embrouilles, oui, t'as des unités partout, tu vas essayer de me faire déjouer.
Moi je t'attaque directement au centre névralgique et on arrête la partie. Ouais, clairement. Oh, la strat était vraiment bonne de la part de Bioun là, vraiment rien à dire. Le coup de jeu sur l'excès de mobilité, c'était super bien joué. Ça force Maro à faire des tanks dès le début, donc ça force Maro à se renfermer. Et donc du coup il empêche bien la prise de B3, tout ça, il sort un peu Maro de son rail. Et derrière encore une fois la prise du roi qui était super bien jouée. Quand Maro essaye de grappiller, bah le bon Bioun lui saute directement dans la B1. Ouais. C'est juste parfait. Et c'est vrai que en plus il avait bien vu qu'il y avait deux groupes d'armées, il avait vu le groupe d'armées au nord, il avait vu le groupe d'armées qui attaquait la B4. Donc il y va, il a des tanks positionnés sur les points névralgiques. Un très bien joué de la part de Bioun. On a un partout les amis. Et on va jouer sur Proxima Station en haut de la map. Il est en terrain bleu pour la team expert Bioun. Ouais, qui est revenu dans ce BO5 grâce à une très très belle exécution. Une très très belle game numéro 2 tout simplement. De l'early game jusqu'à la fin. C'est... le petit prince des terrains, donc Jiner Greenwings Maru, qui a visiblement pas le temps de niaiser. Ok, double proxy rise de la part de Maru, on perd pas de temps, on est sur Proxima. Alors, en face, on n'a pas voulu nous grider. Parce que des fois sur Proxima, faut savoir que. Voilà. Sur Proxima, il m'est arrivé de voir des petits CC first par exemple, ou des choses comme ça. Bon, en TVT, je trouve que c'est super greedy, mais bon, certains s'amusent à le faire. Et là, du coup, manque de pont pour Maru, ce ne sera pas ça. Ceci étant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer. Donc, à voir comment est-ce qu'il va gérer les choses. Est-ce qu'il nous a pris... Il nous avait pas pris. Ah si, c'est parce qu'il il a dépensé. Scouter. Il va scouter bien. Ouais, très intelligent de la part de lui. Mais... Bien, il sait hein, que s'il prend ça dans la gueule, il est mort. Et du coup... Voilà, on a plus les poulets, vous nous avez pas dit pour les donations, et on a plus le sub 40 à droite. Ouais. Faudra le remettre. Ce serait vraiment cool les poulets, si vous pouvez nous dire pour la donation qui c'était, qu'on puisse remercier la personne. Mais je pense au moment où vous avez mis nous dessus, du coup vous avez changé peut-être le green oui, screen. Oui, c'est ça. En fait, ils ont un problème en effet. Mais voilà. Exactement ça. T'es bon, en fait. Ils sont au courant. Ok. Alors du coup. Un mec qui a été bon, c'est Bion, avec un scout très intelligent. Alors Maru qui arrive à se débarrasser, je crois, du SCV qui produisait le blocker. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est déjà bien mal. Mais par contre, genre l'intelligence de jeu de Bion qui dit bon, quand même, je joue pas contre le dernier des joueurs agressifs non plus, quoi. Tu vois, le mec s'appelle Maru. On est sur une carte où je suis attendu au tournant sur un build agressif. Paf, le scout est fait. Mais du coup, cette game qui légèrement à l'avantage de Bion quand même. Ah ouais, Maru qui va avoir le full scout. Problème c'est qu'il a pas ses baraques forcément à la maison. Il a toujours deux Reapers. Après il est très très bien bloqué. Parce que d'ailleurs ce wall il est parfait. Hein. Prenez-en de la graine. Les Reapers peuvent tout simplement pas rentrer dans la main. C'est ça. Sans tourner autour du Reaper. Et ouais, à une époque tu pouvais passer au-dessus des trucs. C'est une strat que j'avais fait contre Imre avec une mine. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont nerfé ça. Maintenant tu sautes plus par-dessus les. Tu peux faire sauter des Arlings mais tu peux pas te faire sauter toi-même. Donc tu l'as dans le baba. Spatioport en effet, Maru là mine de rien vis-à-vis des add-ons sur Serax et compagnie, il va être super à la bourre. Ouais, là on envoie le Laptech pour le moment, donc à voir si c'est pour faire un. Bon je pense que c'est pour faire un Raven ou une Banshee. Ça servira à rien de faire un tank quand on n'a pas de Marines. Mais on va faire un cyclone. Donc je pense que le cyclone est limite obligatoire là pour Maru vu qu'il a pas de Marines. Donc ouais. Et il a scouté la Banshee Cloak. Ouais. Ça c'est bien joué quand même ce scout. À quel point on est dans la mitonnerie là. Enfin en fait au minimum genre que ce soit un mytho ou pas genre chez Maru je sais pas si c'est une information que tu. Enfin c'est une information que tu vas questionner, tu vas peut-être poser une eBay parce que ce serait con de pas mettre une eBay contre un cloak que t'aurais vu. Mais je serais très intéressant en fait qu'il lui révèle comme ça, t'es obligé de te dire attends mais il le fait sous Marax et tout, est-ce que réellement il est en train de faire ça? Je sais pas. Dans tous les cas voilà, tu payes ton Raven pour défendre ça. Et voilà, Raven, Cyclone, les unités peut-être les plus rentables qu'il puisse produire. Si on avait un Gumio, on pourrait dire que c'est le bon setup pour démarrer mecha aussi. Ouais. Double Axe into mecha. Ouais. Il fait des mecha Maru des fois. Bah c'est pour ça que je dis, genre, c'est pas Gumio, c'est clairement pas un joueur mecha. Genre je me rappelle à l'époque, il avait fait une fois en TVZ sur la fameuse map du Gnutu d'ailleurs, la première,
Winter quelque chose, non pas Winter, c'était une map de glace là avec Le caillou sur la B2 là. Merde, avec le, la Proxy Hatch, et le Rush Pine Marine King voit pas. Sur cette carte, il avait fait un mecha contre Zerg. Je me demande si c'était pas contre le Life d'ailleurs. Genre il y avait eu un Maru Life, genre Jiner contre, contre Katie. Et il avait joué mecha, mais c'est vraiment très 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 rare que Maru fasse ça. Le. Ah oh, la Banshee, la pauvre pilote, qui s'est fait défoncer. Big up au Wallet, on a plus le retour les poulets, sachez qu'on a nos meilleurs ingénieurs qui sont sur le coup. Alex Kish, t'es sur le coup? Oui. Donc voilà, on vous fera un point là-dessus. Merci en tout cas pour le resub. Excuse-moi, si tu veux mettre le chat sur mon téléphone. Ça, tu verras, j'ai le mien. On voit effectivement les resubs et les trucs comme ça, le temps c'est que ce soit, ça se soit fixé. Ouais. Par contre, voilà, la donation, on reviendra dessus, parce que voilà, on sait que c'est passé et on s'excuse de ne pas pouvoir te remercier et de pouvoir lire ton message. Alors, Banshee également de la part de Maru, ça c'est, voilà, c'est la petite Banshee. Genre, ouais, non, mais il n'y pensera jamais, il n'aura aucune défense. Et là, cette Banshee, elle fait 12 kills et je suis redevant. Bon, ça va, Bion qui prend pas trop de risques pour l'instant, il a des Marines et un Raven pas loin. Il l'a bien laissé entre les deux bases, ça s'est bien fait. Allez, on va pouvoir choper déjà trois collecteurs, normalement cadeau. Bon, si on tape sur les mêmes, voilà. Alors maintenant, comment est-ce que ça va se passer? On chope pas le troisième. Bah alors il est en train de faire autre chose, le Maru. Il a pas voulu dépenser cet APM là. Après, tu vois, ça c'est une décision consciente, vraiment, tu vois, genre, je vais pas faire ce shot de plus, ça apporte pas grand-chose. Je vais peut-être, par exemple, essayer de brain au niveau de la B2. Ouais, c'est bien fait. Au final, il en chope 4, c'est plutôt propre. Il a du terrain. Il est chaud. Propre. Et sur la B2, là, sur la B3, pardon, il y a. Putain, tu sais, quand t'es revenu comme ça, j'ai cru que c'était un Batagos collé à la B3. Je dis, mais pas du tout. La deuxième Banshee, du coup, qui part pour Maru. Troisième Banshee en production. What the fuck, mec? Alors qu'il voit qu'il y a des tourelles et tout, ça commence à coûter super cher. On a fait des cyclones. Non, elle est là. Des cyclones aussi, parce que je pense qu'il avait pas trop le choix, comme il pouvait pas créer de Marines. Ouais. Et là, il va peut-être essayer de dégraisser tout simplement un peu l'armée. Ouais, franchement, gratter des Marines à ce moment-là. Les Marines sans le shield, c'est vraiment une très très bonne cible pour une Banshee. Shot. Donc aucun problème avec ça. Allez. Pendant ce temps-là, une autre Banshee. Pareil, si tu commences à regrouper deux Banshees et que tu commences à mettre, même les tanks commencent à devenir faciles à tuer, tu peux one-shot les civils. Il y a une bonne création de rythme de la part de Maru, même un léger avantage qui commence à être glané par le joueur Jiner grâce à son Arras Banshee. Ouais, j'avoue. Même là, il est un peu proche. Il bug vachement son adversaire, l'all position qui est bien fait. Et puis là, c'est reparti, il a pris une mule. Ici, là, oh là 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 là, mais le multitask de Maru est tellement vénère. Et puis évidemment, il va pas la perdre au nord, enfin, en tout cas, il va la reculer. Ouais, ça, c'est un shift click qui va lui coûter la vie. Mais la Banshee en frontal continue de faire du dégât. Ici, il appelle les deux cyclones à l'aide. Ah, oh, c'est tellement bien joué. Là, par contre, c'est compliqué d'y aller, mais il peut essayer de taper les tanks avec sa Banshee s'il lui reste un peu de cloak. Le Reaper qui est au milieu pour avoir un peu d'informations. On commence à faire les Vikings par deux quand en face sont les Medivacs qu'on fait par deux. Et ça y est, Piyu qui commence un peu quand même à sécuriser la banque là. Ouais. Il est en train de bien miner sur sa B3. Et encore une fois, il est devant au niveau du nombre de bâtiments de prod et légèrement devant au niveau des upgrades également. Du coup pour Maru, est-ce qu'on peut étendre son avantage là tout de suite maintenant? Il a 50 d'army supply contre les 39 de son adversaire. Est-ce qu'on peut passer en frontal en partant du principe qu'il y a sûrement des marines et des unités qui sont gardées dans la B1? Et si c'est comme ça qu'il réfléchit, il a tout à fait raison. Avec un Raven pour tanker, avec des autotourelles de devant, est-ce qu'on y croit? Le scan, il va y aller. Hein. Oh, le scan en réaction. Bion qui est en panique, Bion qui pousse les CV, c'est parti! Oh, les tourettes qui sont bien envoyées, on a les Banshees en plus derrière qui dépèsent, c'est deux tanks qui vont tomber super rapidement. Maintenant, on siège les tanks du côté de chez Maru. Et Bion qui prend la sauce. Qui prend la sauce, les tanks qui tombent pas, Anos! Les tanks qui ne tombent pas! Et cette défense de la B3, absolument prise de court ici. Un petit, ça y est. Ouais, ça y est, il a fini, ouais. Mais prix, enfin vraiment. 18 collecteurs de prix. Il est trop, trop bon. C'est incroyable. Non, clairement. Non, mais là, c'est super propre ce qu'il nous propose. C'est vraiment super propre. Il n'y a rien à dire. Et puis, son adaptabilité par rapport à son départ était pas facile. Attention, ici, on va se taper quand même Viking contre Viking. On a Raven qui est bien dans le rouge. Oh, il va essayer de choper Raven avec une auto-tourelle. Oh là là. Et c'est l'inverse.
Oh l'outplay. Allez. Oh mon dieu. Allez. Et là ça commence à faire mal. Allez Marouk a encore une fois oublié son armurerie. Putain, les timings d'armurerie sur cette game pour Marouk c'était pas la folie. Après voilà, une game très très dense, très très complexe. Malgré tout sa prod, hein, y a du Marine qui sort des chaînes de montage, même s'ils ont un tout petit peu moins d'upgrade que celle de son adversaire. Il y en a beaucoup qui arrivent et l'avantage d'Army Supply est toujours là, alors qu'en plus on a réussi à récupérer un avantage d'économie désormais avec la B3 qui s'est élevée, ouais. Et les 63 SCV de Maro. Ça scanne, attire la Rigo. Voilà, je pense que Biyun. Bah, c'est compliqué. Ouais, allez, il envoie un go, c'est pas mal. On a pas mal de marines sur la droite qui sont un peu paquets, on les dépaque, on se colle. Oh là là, le libérateur qui s'est fait défoncer et on va pouvoir clean. Mais à un prix très très élevé. Et Maro qui pense déjà à la suite avec un ouais. Drop qui va prendre le chemin. Du nord pour l'instant, 3 Medivac, un Viking random au milieu de la pampa, voilà, tranquille, on met des shots. Est-ce que Maro est dessus? Oui, il est dessus. C'est quand même chaud de. Enfin, le mec il a quand même fait 3 Banshee, c'est quand même nul le premier qu'attaque quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait son attaque Reaper là qui passe pas très bien, il doit ramener Serax et tout, il fait d'abord 3 Banshee, et derrière c'est quand même lui qui a le lead, c'est lui qui a le plus de tank et c'est lui qui vient de bourrer quoi. Ouais. Je veux dire, c'est. Alors qu'il a du micro à un moment 3 Banshee, je veux dire, c'est comme si. Tu faisais un spectacle avec des marionnettes et que tu faisais 3 marionnettes en même temps quoi. Je veux dire, le c'est mec est un peu chaud, c'est chaud quoi. Attention ici, très bon nettoyage de la part de Biyun là qui vient de trouver Dyson en sponsor et ça marche coûté, bien. Ça lui a coûté quelques SCV encore hein, ouais. Donc du coup putain, c'est plus cette game dure, alors dépit du fait, enfin non, plus cette game dure, plus Biyun est dans la merde hein, tout ouais. Simplement. Parce que l'avantage d'upgrade ne va pas durer éternellement, il n'en a qu'une seule d'avance et bientôt il en aura une de retard, même deux de retard avec le plus en attaque des tanks, hein, Maru qui roule sur l'or, qui peut se permettre ces petites dépenses que maintenant Biyun ne peut plus faire. Et à nouveau le multitask hein, avec 2 Medivac au nord, 2 ouais, Medivac au sud, les tanks derrière, oh, les marines en haut. Et ah, ça le c'est joli, par joli. Contre, ouais, mais même ça, tu vois, genre, il y a que du marine. Ah, pas de réussite là sur cette tourelle. Ça va être parti là tranquillement de la part de Maru qui va pouvoir assez facilement se défaire de ça. Quoique Biyun a son petit 2-1, on est que contre du 1. Ça peut faire la différence, surtout si au début les Medivac ne travaillent pas du côté de chez Maru. Mais c'est bon, il y avait beaucoup plus. On a fait prendre un Medivac et de l'autre côté, encore une fois, c'est le B3 qui peut pas travailler. On attaque la B1. Ouais, c'est impeccable. C'est Jesus. Impeccable de la part de Maru pour l'instant. Une série avec des games un poil à sens unique, même si celle-là a démarré très mal pour Maru avec. Enfin, très mal. Mal pour Maru avec un léger retard hein, du fait de son all-in scooté, en tout cas de son cheese, de son proxy scooté. Bah derrière, à nouveau, c'est lui qui fait la course en tête avec des très très bons timings d'agression, une exécution de malade, un multitask dès que les choses deviennent compliquées, qui fait un peu pâlir d'envie la majorité des terrans de la planète. Ah, moi je trouve Maru c'est le patron. Ouais, il est vraiment franchement, il a son côté Gumiho, mais il a aussi son côté TY, il sait tout jouer. C'est. Enfin voilà, si c'était un bon Roland Garros, on en profite, ce serait un joueur de tennis, ce serait vraiment un joueur complet, quoi, qui a un bon service, mais qui joue aussi bien au filet qu'en fond de cours, qui. Un puits de sans-prince par exemple. Voilà. Non franchement c'est. J'adore le jeu de Maru. Et là encore une fois les tanks qui sont juste décalés, on a scanné, on va bourrer quand même. Les deux tanks qui ont été pris de la part de Biyun. Et 150. Ouais, je tiens quand même à dire que le temps de brosser le portrait à Maru, on se rend quand même compte que Biyun, il résiste bien le mec hein, pour ce qu'il prend. Hein. Ouais effectivement. Alors attention là ce triple drop, oula. On a repli les 8 marines qui étaient assujettis aux deux tanks de tout à l'heure, on l'a droppé dans la B2 pour attirer peut-être les unités de la B1 parce que oh, il est bon au niveau de ses rally points hein, c'est intelligent ouais. Pour Biyun hein, de jouer comme ça. Oh, tellement de scan papy. Ouais, il a scanné partout pour savoir où était l'armée. Ah là, là attention le drop qui va. Oh, il l'a vu. Bien joué mec, bien joué. Là aussi un Maru c'est ouf. Il envoie trop de drops, il est toujours sur son drop qu'il envoie quoi. Il n'y a pas de triche tu sais. Y a ouais. Pas de shift D, clac, je dépose ici et je pars aller envoyer 3 mules quoi. Non, quand il dépose, il est là, il regarde, il prend soin de son armée. Ça, c'est un général, un bon général, pour papy, un mec qui prend soin de ses hommes. Ouais, clairement. Et par contre, Biyun qui que je voyais mort il y a 3 minutes et qui est encore là, alors qu'il est très largement derrière, mais qui fait, tu l'as dit, Papy fait de la résistance, hein, mec, ouais, clairement. Sur cette game, il joue crânement sa chance, il refait pas d'écho particulièrement en fait Biyun, et il a raison je pense, il a pas mal de bâtiments de production, voilà, il part du principe qu'il y a moins de pages de minerai, pas besoin de refaire beaucoup de SCV, et on fait une grosse armée et on outplay en frontal, mais là si Maru est en place en fait, il y a aucune chance que ça passe, mais si à un moment donné il arrive à mettre un gauche-droite et commencer à prendre 32 pop pour lui-même en perdre que 10, c'est à ce moment-là qu'il peut gagner la game. Ouais, clairement. Son petit 3-2 est loin d'être dégueulasse en plus. Ouais. Par contre, attention, il n'a pas le plus un des tanks.
Ouais, et les tourelles de détection qui sont quand même une précaution quand même assez monstrueuse dans ce genre de cas. On y va, il a... Oh là là, les tanks de Marou qui étaient prêts, papy. Les tanks de Marou qui viennent de lâcher une salve chacun. Oh là là, c'était du Gandalf. Chacune des salves, il y avait un You, il y avait un Chal, il y avait un Not et il y avait un Pass, tu vois. Et quand ils ont pris les 4, ils ont lu la phrase, ils ont fait OK, on fait demi-tour. Il est l'heure de se casser très très vite. On n'a clairement pas envie d'aller dans les enfers pour aller affronter le Balrog. Clairement. Non, Bjorn, là, il a pris un... en fait, c'est... Avec les tourelles de détection et les vikings, il y a vraiment le truc de genre « Ouais, je sais ce que c'est ton option pour gagner, c'est et ça. En vrai, je vais jamais te la donner parce là, que je suis pas débile. » Parce que j'ai donné 300 gaz dans mes tourelles de détection, mais je sais où tu es, quoi. Ouais. Clairement. Ah, non, mais... Super bien joué. Non, mais Marou, c'est vraiment... Là, il c'est un diamant pur, hein, cet enfoiré. Allez, là, on y va. On n'a même pas siégé de la part de Bion, car on le sait que c'est la fin des haricots. GG. Et c'est le 2-1 pour Marou. Marou, très, 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 très fort sur cette game 3. Il reprend l'avantage dans le best of 5. Dans le best of 5. Tu vas me faire m'étouffer, fais gaffe. Allez, les deux joueurs qui se reconcentrent, et vous le voyez, Biyun qui commence à être un peu dépité. It doesn't understand. Ouais, il a pris cher sur cette game numéro 3, et c'est vrai que les deux games qu'il a perdu ont été assez rudes. Ouais. Bisous The Yox, bisous Makai, merci beaucoup pour ton resub. Est-ce que vous avez l'information de qui était le donateur, les bichons? Alors ça va leur prendre un peu de temps, mais ils vont l'avoir. Alors Gaucher nous a dit avec un resub de 28 mois, Umaru, Byun, enculons un mouton. Okay. Très bien Gaucher. Big up à toi. Faut remonter encore. Où êtes-vous? À mon adaptabilisation qui a fait un tabac sur le chat. Zbroualé de Johnny Biz qui est là depuis 25 mois. Big up. Plutôt solide. On a aussi Pandalord SC pour 11 mois. Merci beaucoup. Quelqu'un qui demande dans le chat si Marou a encore 16 ans. Marou, logiquement, prend une année chaque année comme le reste des êtres humains. Donc j'aurais tendance à dire qu'il n'a plus 16 ans. Non, il en a 10, je crois, il doit avoir 19 maintenant. Marou. On est en train de regarder l'âge de Marou. 19. Attends, 19, il est dans 97. Ouais. Donc je suis bientôt 20 d'ailleurs. Ça fait un peu mal du coup. Ouais, on a vu les gnoutus. Après, s'il y a eu des resubs avant ça qu'on a raté, je peux pas remonter plus haut le chat. On s'en excuse. En tout cas, on va partir sur la game numéro 4 dans quelques instants. Si donc notre élève réalisateur arrive à appuyer sur les bons boutons, c'est compliqué, hein. On le comprend. Et une formation GSL, c'est tout de suite en fait une formation à l'art le plus complexe de la réalisation. C'est comme si tu devais passer ton permis directement dans Paris. Ouais. Je pense que c'est pas le plus facile. Sans conduite, sans direction assistée. C'est ça. Bien sûr. Avec 205 à 4 rapports. Ah là là. Là, old school. T'as déjà conduit un peu comme ça? Ouais, c'était ma première voiture. Ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, t'es en 4ème max, quoi. Ouais. Et ça se passe comment sur l'autoroute Bah, en fait, c'est que ça consomme la bagnole plus. Qui... Et qui, ouais, qui consomme en plus, ouais, quoi. Voilà, ça consomme plus. Le 5ème était vraiment là pour l'économie, quoi. Ouais. Mais non, moi, ce qui me frustrait, en fait, c'est que c'est ta première bagnole, t'es content et t'as l'impression de pas avoir comme tout le monde parce que t'as un rapport en moins. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça me frustrait parce que j'avais l'impression d'être diminué, voilà, par rapport aux voitures de mes potes. Et voilà, et puis après, bon, je l'ai kiffé. Puis après, j'ai eu une petite Clio où dedans il y avait 5 rappeurs et j'étais content. Marou de retour au plus haut de sa forme, ça c'est bon, en effet, c'est très très bon, c'est mon ça bichon. C'est bon. Et oui. Non, en tout cas, aujourd'hui, Marou qui joue très très bien. Et surtout, en fait, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, son ratio TVT était pas bon, il était sur 3 défaites consécutives en TVT et ouais, tout machin. Et là, voilà, tu te reprends tout de suite sur un Bion qui est quand même clairement pas le dernier des manches à l'heure actuelle sur StarCraft 2. Donc, bon, après, c'est pas fini du tout. Hein. Tout à l'heure, on a vu un 2-0 qui s'est retourné en 3-2. Là, il n'y a que 2-1 pour Marou, mais ça maintient. Il y a 2-1 et du coup, il a une game de ses quarts de finale. Mais pour ça, il va falloir l'emporter sur Newkirk Precinct. Une map où tu peux jouer aussi un style défensif pas trop dégueulasse. C'est plus mono-angle, ouais, les endroits de drop, etc. Enfin, je veux dire, une fois que t'as 4 vikings entre ta B2, enfin entre ta naturelle, ta main et celle de ton adversaire, logiquement, t'es pas trop censé te prendre de doudrop. C'est la map Mecha de Gumiho, je remarque. Et c'est tout à l'heure où Gumiho a joué Mecha. Mecha là-dessus. En TVZ aussi, c'est sur cette map qu'il avait joué Mecha.
Je pense qu'il aime beaucoup le côté, une autoroute là, entre la gauche et in la droite. In the bottom left, in the blue. Et en bas à droite, bottom left, il a dit. Donc en bas à gauche de la map, il est en terrain bleu. Team Expert, il s'agit de Biyun. Le Biyun, in the bottom left, bien sûr. Et son adversaire du soir, avec un extracteur légèrement en avance sur son adversaire. Il s'agit de... Jyn Air Greenways, Maru. Maru s'en suit. Cheong Soy, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle Cheong Soy. Maru, toujours bien sûr. Toujours un fan pour Maru. Et le 2 Rax, une fois de plus, de la part de Biyun. Très intéressant. Très intéressant. Parce que sur cette map-là, il y a un accès direct de l'aérien entre les deux B1. D'un autre côté, la B3 est beaucoup plus proche. S'il prend celle-là. Ça peut être un double tranchant quand même pour Biyun. À voir ce qu'il arrive à faire. C'est trop marrant ce bug. Ouais. C'est marrant ça. Ça te replace ta souris bizarrement milieu. Quand tu fais un slide. Et du coup, la souris reste alors que normalement pendant le slide elle disparaît. Ouais. Ok. Bon, voilà. J'espère que ça vous fera pas trop péter une durite durant la game. Oh, Maru qui scoute. Et le dépôt qui est pas relevé de la part de Biyun. Aïe, ça c'est pas bon. Hein. Ouais. Alors, autant le SCV Scout est quand même pas ultra commun dans le match-up. Mais là il fait un grand tour. D'ailleurs, il est pas passé comme ça. Hein. Je crois qu'il a fait il a dû faire un truc dans ce goût-là en fait, Maru, pour se révéler au dernier moment. Et résultat, scouter le 2 Rax un peu planqué de ton adversaire avec un SCV, c'est ultra rentable. Ouais, clairement. Il aurait pu faire un deuxième Reaper d'ailleurs, Maru, ce qu'il ne fait pas. Il préfère faire du Marine, ce derrière. Ouais, et il va pas faire d'addon du coup, hein. De manière assez logique. Ouais, je pense qu'il va payer son cyclone à la fin du truc et qu'il fera l'addon que là. Du coup, le petit Reaper qui arrive, on a le collecteur qui est resté. Ouais, et donc, on a le deuxième Reaper de qui arrive. Ça fait un peu short. Enfin, un Marines, un Reaper et un deuxième Marines qui devrait arriver. Le collecteur qui est là aussi de la part de Maru. Et allez, c'est parti. Il va falloir bien micro là sur cette séquence. Le Marine au centre. Oh, la mine qui connecte avec les deux Reapers. Grosse erreur de la part de Biyun. Là pour le coup, tout à l'heure, il y avait l'opening double axe. Il avait pris quoi, 3 SCV, dont celui du CC. Ouais. Et celui de la Starport. Là, on n'est pas du tout sur la même rentabilité. Par contre, il y a 3 Reapers pour Biyun. Il n'y en a pas que 2. Oh, la mine ici qui était pas mal. Allez, le tourmenteur qui va faire la différence normalement. Mais attention quand même, parce qu'on a perdu beaucoup d'armées là du côté de chez Maru. On va lever les bâtiments. Car Maru, tu peux le faire chier. Il n'oubliera jamais sa macro, papy. Et au final, c'est bien. On arrive à temporiser. Et le cyclone qui va calmer tout ça. Ouais, ça avait commencé excessivement bien pour Maru. Au final, Biyun a réussi à limiter la casse en prenant 2 marines lui aussi et un SCV supplémentaire. Alors qu'il avait un SCV tout court parce qu'il avait pas réussi à prendre celui de Maru. Il va même peut-être pouvoir prendre le Hélion ici. Hein. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Ouais, et on est loin de la Banshee. Par contre, la bonne micro sur le Hélion permet de faire tomber un Reaper. Par contre, il perd le sien lui-même. Ouais, bon, ça fait beaucoup là. Le micro, ouais, clairement. Il résonnait beaucoup de collecteurs. Déjà, le deuxième collecteur là de donner. On va prendre ce Marines. Allez, le cyclone qui lui, par contre, va totalement calmer le game. Excusez-moi. Ah. On s'en sort bien quand même pour Maru, je trouve. Et très sympa, mine de rien, de revoir cette petite micro en TVT là. T'as vu un peu là, un collecteur, deux Reapers contre un Reaper, un collecteur, deux Marines. Mm-hmm. C'est quand même super stylé ce style de micro, moi j'adore. C'est vraiment sur le vif et tout, faut être malin, c'est StarCraft 2 qu'on aime. Alors attends. Là j'ai un peu peur pour Biyun. Parce que. Pour Biyun. Il a. Il a rien. Des marines en fait. Ouais. Sur une map où il y a aussi beaucoup de capacité à bouger en fait autour du truc. Et son Reaper a pas vu la Banshee. Il était vraiment pas loin de la voir, il l'a pas vu. Ouais, le spatioport est super tard parce que du coup tu payes d'abord le team. Et puis il paye pas la tourelle parce qu'il doit être un peu juste sur le minerai. Oh, donc il n'y a pas de raison. Deuxième collecteur de prix, ça c'est bien fait. Les marines qui sont bien positionnés, on va commencer à poser les premières tourelles. Mais le cloak, est là normalement. Non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Ah ouais, donc ça change pas mal les choses. Hein. Mais tu sais que. Genre, moi je trouve ça ouf que les Reapers du début de partie de Biyun ils aient fait autant de dégâts alors qu'ils s'étaient pris un gros rect au début quoi. Genre la première montée de rampe c'était vraiment pas bon du tout. Ouais. Et soudainement, genre il prend 5 SCV et ça en vrai, ça fait que Maru il peut pas être en train de micro non-stop sa Banshee et du coup de prendre soit tous les Marines, soit de commencer à prendre des SCV ou au minimum de les faire reculer. Et de la deuxième séquence là avec le Reaper, il scoute le 3 MCC, il prend le SCV et tout. Genre Biyun arrête ça tout de suite quoi. Ouais, j'avoue. Non, c'est clair qu'il se met super bien. Raven envoyé là de la part de Maru, ça c'est bien fait.
Bon, ça faudrait le voir. Je crois qu'il l'a vu. Je pense aussi parce que c'est étrange comment est-ce qu'il continue à aller vers là-bas. Ouais, il veut le confirmer, tu as l'impression qu'il l'a vu et qu'il veut le confirmer. Ouais, il l'a vu. Il l'a vu, il sait, les tanks qui sont bien placés sur chacune des bases, il prépare son viking, c'est bien fait. La Banshee qui va sûrement essayer de se déporter sur la B2. Et au minimum prendre le dépôt, hein. Il en a déjà pris un dans la B1, peut-être un deuxième dans la B2. Le scan dans la B1 qui révèle que, dans la B1 de Maru, hein, qui révèle qu'il y a un tank en position. Et les Marine Cyclones, les Vikings qui sont là pour être un petit peu le tampon entre les deux bases sont déjà bien mobiles. Le pivot. Ainsi de plus. Et Maru qui est dessus, voilà. Il donne le premier soumet à garde, c'est bien fait. Le tank empêche le passage là, de la part de Biyun. On avait vu que c'était pas très grave. Hein. Là, la grande force de Biyun, normalement, à partir de maintenant, bah, c'est de réussir à poser sa B3 quand Maru ne devrait pas y arriver. Maintenant, je trouve encore une fois qu'on n'est pas sur la même map. Tu vois, la règle de la B1, en en mettant un des artalines de minerai et tout, sur la gauche, par exemple, tu couvres un angle, etc. etc. Mm-hmm. Donc, je suis quand même moins persuadé que Biyun pourra faire ça aussi efficacement pardon, que sur la game précédente. Donc, bah, ça va être à voir. Ouais. Alors Maru du coup qui accélère ses upgrades et qui reste en fait un peu à la manière de TY hein, généralement c'est la manière dont il joue, genre 1-1 pendant très longtemps avec 3 MCC et d'un coup 4 axes en fait. Et normalement double, quoi, double simple tech lab, ça dépend en fait, ça dépend des préférences. Mais voilà, Maru qui va se remettre dans sa posture défensive et encore une fois un 3 MCC qui va pas faire le trajet instantanément au risque de se faire baiser alors que l'autre a le steam. Ouais. Il va la jouer tranquille, il va la downplay, juste produire des SCV. Oula. Mais bon, du coup, il tombe dans le même piège que la game précédente. Hein. C'est-à-dire un steam tard, des possibilités de sortir tard. Et du coup, il est obligé de dispatcher tous ses tanks. Et la problématique, quand tu dispatches trop tes tanks, mais voilà, encore une fois, c'est pas la même map, c'est que, bah, à un moment, 30 Marines, si ça prend les tanks un par un, c'est largement suffisant. Donc, à voir si Biyun va s'en sortir. Les tourelles, encore une fois, ont été posées de la part de Maru. Voilà. Il reste quand même un angle. Et maintenant, faut voir vis-à-vis de la B3. Mais je pense qu'il y a moyen de faire ça beaucoup plus intelligemment que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, c'était soit tout à gauche, soit tout à droite. Là, tu vois, c'est quand même beaucoup plus mono. Beaucoup plus mono. Mono. La B3 qui peut être aussi prise d'assaut hein, par des grosses concaves. C'est une des particularités de Nuker Precinct, hein, c'est cette grande B3. Alors ça se voit surtout en PVZ par exemple, ou même en TVP, où tu vas arriver avec beaucoup de buts en concave, mais en TVT ça peut avoir le même sens. Ouais. Ceci étant Maru qui pour l'instant a identifié le positionnement de son adversaire, et donc du coup dit, très bien, je peux avoir 4 tanks qui se couvrent les uns les autres mutuellement, parce que c'est ici l'angle sur lequel tu vas mettre la pression. Ouais. Donc en fait, tant que tu fais pas d'erreur, c'est un peu similaire à quand tu joues Mecha en fait contre Bio, de jouer ce style très défensif, très greedy. C'est à peu près la même chose, c'est genre où est-ce que je défends, t'es obligé de prendre des calls parce que si ton adversaire se regroupe et tape à un endroit où tu n'as qu'un quart de ta défense, tu vas mourir. Par contre, si t'es toujours bien placé et tu réfléchis en amont avec des toiles de détection, tu te fais pas prendre de vitesse et ça se passe bien. Et là sur cette game, comme en plus il a pas pris trop d'agression en mid game, il a pas oublié son armurerie, ouais. Et il a son 2-2 qui se time bien avec plus d'écho, plus de baraques, il a déjà voilà ses 4 tech labs. Alors ouais, il a le steam très tard, il va jouer très tard, mais limite, voilà, son timing de jeu, c'est le 2-2, quoi. Mais ouais, mais ça qui m'embête là pour Biyun, hein, très franchement, c'est que, bah, au final, il a pas réussi à prendre son avantage sur la B3, et c'est ça, normalement, la force de son build order, ce qu'on a vu dans la game précédente. Donc là, le problème, c'est qu'il a à peu près la même valeur d'armée. Ouais, très bien, mais Maru, il a déjà payé tellement de tanks, il a 2 Raven, il a des Vikings et tout. Du côté de chez Biyun, c'est énormément de Marines, c'est de Medivac, quoi. Donc c'est quand même pas quelque chose qui... Enfin, il y a un moment quand on va faire du frontal, c'est pas ça qui fera la différence, quoi. Il y a pas le steam, il y a pas le bouclier pour le moment, on s'en fout vu que Maru est sur un registre défensif. Donc j'ai assez peur là pour Biyun. J'ai l'impression que il a pas réussi à faire le clutch comme tout à l'heure. Ouais, non, clairement. En tout cas, Maru qui était orienté vers un style de jeu comme celui-là depuis le début de la game, c'était celui que j'attendais sur Nuker Precinct, c'est tout à fait fort. Et pour l'instant, bah, le plan de jeu qu'il avait envie de mettre en place, il est là, ouais. Et il est fait sans accro, avec des upgrades très bien timés, ça s'enchaîne très fort. Avec une deuxième factory, sera le... Ouais, tu me diras, Biyun fait pareil, j'allais dire. Maru très en avance sur sa deuxième facto, dans les deux joueurs qui jouent de la même manière ici. Biyun qui a pas vu ça, c'est vraiment dommage, parce que le Medivac, on a vu, là, il a dépassé un peu le coin, ouais, là, voilà, ici. Donc il aurait pu voir quelque chose. De toute façon, il n'y a pas de B4 pour le moment. Ça aussi, ça doit rassurer Maru, ça doit lui faire dire ok. Bah, sur cette game-là, il n'a pas pris son avance de dingue là avec son départ Biyun Build, Mazin TVZ, remasterisé pour TVT.
Du coup, on a posé la B4 devant près des tanks. On va envoyer un petit coup de steam, on va voir ce qui se passe. Une petite trompette de Marines, mais qu'on pas de Medivac, donc ça va passer comme papa dans maman. On va essayer de prendre quelques connecteurs. Funky annonce le duo de choc. Oh, Dragon Pew, merci beaucoup, Makai. On prend aussi le tank derrière. Oh là là là. Ouais, Maru avec 16 Marines, il en prend 8, et il prend un tank, il prend 4 STV, et il s'en va comme un seigneur. Et là, c'est vraiment le côté genre, c'est moi qui suis mobile, c'est moi qui te rentre dans l'art. Là, t'as pas assez de Marines, j'accepte la fight en dépit du fait que je n'ai pas le bouclier de combat. Ouais. Et je prends et je trade. Et c'est tout con, mais c'est un léger avantage qui vient d'être pris parce qu'il a trade 8 marines pour à peu près 8 de l'autre côté. Ouais. Un tank et des SCV. Très bien fait. Oula. Ouais, ça c'est bien vu. Lol. Oh là là, le gros drop. Qu'est-ce que c'est que ce drop de marines de l'infini? Qui est totalement vu. Lol, est-ce qu'il a vu? Je crois qu'il a pas vu Bjorn. C'est marrant parce qu'il laisse que des marines. Donc si jamais Bjorn tente une contre-attaque, regarde, Bjorn il vient de scanner et il vient de voir à mon avis. Ouais. Ah ouais, mais je peux pas y aller. Il y a que des tanks. Il y a trop de tanks. Maru est-ce qu'il commit? Maru est-ce qu'il commit? Attention, le targeting ici dans la main. Les upgrades qui sont similaires, mais il y a tellement de marines pour Maru. 5 Medivac d'un coup. Oh là là, il a pris 13 collecteurs, 14 collecteurs. On avance tranquillement, on va sur cette petite tourelle qui pose problème. On peut absorber tous les marines ici parce qu'on a des Medivac au-dessus. Mais il est rentré dans le piège, Bioun. Bioun, il savait pas qu'il y avait pas de tank dedans, donc du coup, Bioun, il essaie de faire un double front. Oh là 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 là, Maru impeccable dans cette game. Attention, là, quand même, tous les tanks qui se sont séparés. Il va dropper le temps, il lui reste des marines, il lui reste des marines. Et ça va passer pour Maru qui va passer au quart de finale. Bien qu'il s'empale alors que de l'autre côté sa main est en train d'être mise à sac. GG. Maru qui... Le fait qu'il drop en dessous de 15 SCV qui arrivent et 30... Enfin, il n'y avait pas 30 marines, il y avait genre 15 marines, tu vois. Ouais. 15, s'il y avait eu 30 marines, c'était bon pour Bjorn. Ouais. Et là, Maru, il identifie le truc, il fait c'est bon, je peux y aller. Et il gagne la game avec ce move. Et tu l'as dit, c'est un drop full marine. Il a aucun tank dedans. Donc ce qui veut dire que sur sa B3, t'as un champ de tanks qui sont tous splittés très loin les uns des autres pour qu'il n'y ait pas genre 3 tanks qui se fassent défoncer d'un coup. Genre, encore une fois, tactiquement, c'est genre parfait. Ouais, mais clairement. Clairement. En plus, Bion qui voit, hein, il scanne avant, il voit qu'il y a les tanks. Mais il avait toute une partie de son armée à l'extérieur. Il voulait contrer comme ça. Et il s'est pris exactement en fait ce qu'il a mis dans la game précédente. Où voilà, Bion était en train d'essayer de croquer des B3. Voir un peu s'il y avait B4 et Maru il est allé directement dans la B1 et il a bam, checkmate direct. Super bien joué de ne pas avoir mis de tank dedans, d'avoir laissé tous ses tanks à l'extérieur. Sa défense était vraiment bonne. Étonné quand même qu'il n'ait pas testé un petit drop dans la B1 en faisant le tour comme ça. Il y avait un peu de champ. Qui ça, Bien ? Ouais, Bien, entre la B3 et la B1, tu sais, il avait mis cette tourelle vachement au sud quand même. Donc il y avait un petit champ entre les deux. Mais super bien joué de la part de Maru, il n'y a rien à dire, c'était magnifique. Non mais là, voilà, on vient de voir du coup un total de 9 games de TVT entre 4 joueurs qui ont un sacré level de jeu et c'était vachement cool à voir. Du coup, est-ce que on va avoir une demi-finale TVT? C'est ça la question. Est-ce que c'est le... Ouais, ça doit être le même. Bah, ça serait très bizarre. Sur sûr, ils sont dans le même côté du bracket. Ouais, donc on va parce que tu lis le bracket de haut en bas du coup. Ouais, je pense que c'est d'accord. Ça. Non, même je suis sûr que c'est ça. Ça aurait complètement, du sens. Non, mais ouais. C'est Gumi ou Maru. Je me rappelle avoir vu les deux cases bleues dans demi qui te disaient t'auras forcément un terrain en fait. Tu sais, t'annonces sur les coups de Et donc, du coup, t'auras forcément un terrain en finale. C'est ça que ça veut dire aussi. Exactement. De l'autre côté, du coup, on a Stats Classic, Rogue et Sou. Du coup, ça va être joué. Demain, c'est ça, le demain 8 juin. 20h. Et du coup, nous, on vous le casse le soir. C'est ça. Trop bien. On vous le casse demain soir, exactement comme aujourd'hui. Donc ça va être joué demain vers 11h, c'est ça? C'est ça, entre 11 et 14, 11 et 15. Voilà, donc là, ne regardez pas. Non, venez voir chez nous. Et venez, on vous le casse le soir même. Sur Eurogaming, bien évidemment, pour vous envoyer du lourd. Est-ce qu'on a un Gnoutu, les poulets? Je crois qu'on a. À célébrer. Je crois qu'on a un Gnoutu. Et on va te donner 30 secondes. On donne tout le temps que tu veux, mon petit Alex Kish, on est bien. Non mais franchement ça joue très bien et on aura un gros PVP, un gros ZVZ aussi demain en quart de finale. Donc franchement une GSL bien cool qui a mis beaucoup de temps à démarrer. Je trouve que le round of 32 de cette GSL était quasiment nul à chier, je trouve. Genre j'aurais vraiment trouvé ça vraiment assez mauvais parce que on se rend compte que le top 16 joue encore très bien et qu'en dessous. Sans qu'il y a des motivations différentes, des joueurs qui sont peut-être un peu en fin de carrière, un peu en machin. Mais alors le top 16 à partir de la deuxième phase de groupe et là c'est quart de finale, ça joue quand même clairement très bien. Je suis d'accord. Et je suis tout à fait le même avec toi. Au début, mine de rien, j'étais assez mitigé. Je trouvais que même en GSL, les games n'étaient pas folles. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que depuis là dernièrement,
Il n'y a que des games de ouf, et même dans les groupes. Et c'est Philozork. Du coup, vous voyez le nom qui s'est affiché en bas de l'écran. Philozork qui vient de remporter son Gnutu sur une des maps gaming. Il n'en a pas déjà un, Philozork? Je crois pas. Non? Son premier. Mais c'est As qui s'occupe de ça, donc faut demander à As. Ouais. Je vous rappelle, si jamais vous chopez deux Gnutu, du coup, ça vous fait un. Mais on va vous faire un truc propre, on vient vous expliquer. Vous aurez à la place un Ursalak. Et si jamais vous avez eu trois Gnutu, on trouvera un autre truc. Bien sûr. On pourra te donner un héros par exemple. Mais voilà. Qui viendra foutre la merde et qui mettra des storms partout. Voilà, c'est ça. Au début des games et tout. Si après les joueurs sont paumés, c'est chelou. Tu veux, qu'est-ce que c'est que ce. Mais oh non. Mais voilà. Donc voilà, les amis, écoutez, il est extrêmement tôt. Normalement, ça aurait été sympa qu'on fasse quelques games ou quoi. Mais je vais pas vous mentir, moi je suis ultra malade. J'ai tout fait pour que ça ne se voie pas. Mais. voilà. J'ai une crève assez tonique. Donc on va vous envoyer la rediff tranquillement déjà, si vous avez déjà, pas vu les games au début. Vous c'est avez ça. La rediff. Ouais. Et promis, la prochaine fois qu'on finira aussitôt, on vous fera des petites games ou quoi pour pas vous laisser voilà en plein milieu de votre soirée. Voilà, tu vas sur TF1, il y a encore 1000 anges gardiens là. Je veux dire, ce serait totalement dégueulasse de vous laisser avec Joséphine ou avec toutes ces c'est bon, moi il y a l'autre soir j'ai voulu regarder la télé et j'étais affligé par mauvaise idée Anos. Putain, la seule chose qu'il y avait à regarder c'était Tekken 2 je crois ou 3. Le film Tekken. Ouais, qui est une sacrée merde. Ah ouais, en plus. Où c'est sa fille qui le sauve en fait. C'était un chier. Oh mon dieu. Donc voilà, on vous fait à tous de très gros bisous. On remercie la réalisation Alex Kish et le petit nouveau. C'est quoi ton blaze, le petit nouveau? Mathieu. Et Mathieu. Attends. Il y a une deuxième donation qu'on n'a pas vue. Ah oui, c'est vrai. Ça faut les gars, est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous avez accès au Twitch Alert ou... On n'a pas les logs. On vous remerciera sur Twitter. Non, attends. Est-ce qu'on peut pas faire un truc? Genre faire chier Yogo? Les logs, je les ai, mais pas ici. Alors, utilise Twitter, ami de la donation. On s'excuse vraiment de ce petit problème technique. Si tu veux voilà, nous le faire parvenir en direct, le message que tu avais positionné, etc. Si tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, envoie au Gaming SC2 ou à Thanos ou à Funka, Starcraft sur Twitter. Et. Oui, toi, c'est à toi que je parle. Voilà, qu'on puisse te remercier comme il se doit. Et merci du coup, bien sûr, aux subscribers, aux donateurs de la soirée et à tous les viewers, de toute façon, globalement, qui nous ont permis de faire une belle soirée GSL. On vous donne rendez-vous donc demain, 20h, avec la suite des quarts de finale, un PVP, un ZBZ de quali-qualité. Tout de suite, c'est la rediff. On vous fait des gros bisous. Big up!